sommes ici sur la plage avant du bateau. On est toujours en 11e position et on fait cap au sud. Et je voulais vous présenter la troisième petite enfant qui va être opérée grâce à vos clics. Après Sérigné et Audrey, nous avons Mowa qui vient du Burundi qui a 12 ans, qui va pouvoir être opérée grâce à vous. Donc merci beaucoup, c'est super. Continuez à cliquer surtout sur le site initiativecoeur.fr. Et moi je continue la route, je vous dis à bientôt. Parce qu'il est trop loin, je crois bien il y a le premier albatros. Ça y est, on y est officiellement dans les mers du sud. C'est l'entrée, ça c'est, ça veut tout dire. Ah, il y en a, c'est sûr que ça en est, c'est bien plus grand que ce qu'il y avait hier. Voilà, les premiers albatros. On n'est pas dans le sud pour ça, que pour ça, mais quand même quelque chose. Ah, ça fait plaisir d'en voir. Voilà, ça défile à bord de Massif, de l'origine, tribord, juste derrière le front. Finalement, on fait la course avec un peu 3 jours, on était devant, maintenant on est juste derrière. Donc, il ralentit et que nous, on ne peut pas aller aussi vite avec la mer. Bah, on était en tête, bah, du coup on va pas s'enflammer, ça fait toujours plaisir d'être en haut de la félicitation. Voilà, ravi d'être en tête. Allez, à plus. Allez, 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 là tu vas montrer ta fille. Allez, allez. Allez, allez. Comment je peux faire, bordel? Comment je peux faire? Voilà, ça c'est fait, putain. J'ai viré ce putain de bout de la quille. Eh ben, je vais vous faire voir un peu l'installation quand même. Ça c'est les palmes, ça j'avais mis ma TPS, attends, j'avais mis ma TPS entraîneur, j'avais mis le Fat Boy entraîneur, j'avais mis la petite boîte de machin entraîneur, et voilà, là j'ai affalé la grand voile, là je prends 5 minutes pour vous la raconter parce que ça il faut le dire quoi, putain c'est copieux quoi, là c'est ouf, on va dire ouf, donc voilà quoi. Voilà mon équipement, la bouteille avec des rabans, voilà, et ben voilà, encore une nouvelle aventure. Bon allez, et ben merci, à ciao, et on l'a eu le filet, putain, je peux vous dire que là, je suis vraiment, mais vraiment content. Parce que là, c'est tout, quoi. Allez, ciao. On va ramasser le matériel maintenant. Alors, ça, la bouteille. Ah putain, ah, ça fait du bien, vous pouvez pas savoir. Putain, j'étais avec mon couteau en bas, et purée, au début je prends un peu de la grappe, du filet, et ça coupait pas. Ça coupait pas. Ou je voyais pas ce qui se coupait. Là j'avais les boules, mais les boules, je dis putain, je coupais. Après j'ai pris un par un. Un grain, un brin par un brin, c'est bon. Bon donc voilà, on avait un filet. On s'est traîné toute la nuit et donc, quand j'ai regardé les classements ce matin, je trouvais que j'allais pas vite, je savais pas pourquoi et tout, toute la nuit, je savais pas pourquoi.
Et je réglais, j'essayais de régler, de voilà. Et puis ce matin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu le classement, les autres, ils font 2 nœuds mieux que moi, c'est pas possible. Avec 16 nœuds devant, 17 nœuds devant, je marche à 12 nœuds, c'est pas vrai, quoi. Et là, j'ai regardé, j'ai mis l'endoscope, on a un petit appareil, on regarde dans un trou au travers de la coque. Et en fait, j'avais un filet. Et là, j'ai essayé de faire des marches arrière, j'ai roulé les voiles, j'ai fait des marches arrière, rien. Rien ne se passait. Et jusqu'au moment où, où je me suis aperçu que c'était pas possible, qu'il fallait plonger. Quoi. Alors là, je ne vous dis pas dans quel état j'étais, parce que avec la température de l'eau, le truc, le machin, et au final, quand faut y aller, quoi. Et puis en fait, ça le fait. En fait, on s'aperçoit que c'est toujours pareil, quoi. Toujours une crainte d'y aller, hein. On met le pied dans l'eau, et puis en fait, l'eau, la température de l'eau, je ne l'ai même pas senti, je veux dire. J'ai gardé mes sous-vêtements sous ma combinaison. Il y a des moments où on sent pas les choses, quoi. On sent pas le propre. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes à côté. Donc sauver sa peau, par exemple. Dans ces cas-là, c'est vrai que on n'a pas, la même sensation, vision des choses. Mais bon, là, je suis. Là voilà, je suis content, vraiment. Parce que le train balait un filet, puis celui-là n'était pas prêt de partir, faut vous dire. C'est des filets à grosse maille, gros filet avec des gros gouttes. Et en fait, quand j'ai commencé à couper sous l'eau, ça ne coupait pas. Et là j'ai eu un moment de désespoir. Et après j'ai pris une maille. Et j'ai coupé une maille. Et une maille, ça coupait. Alors, j'ai fait une maille par une maille. Avec le ballon de la quille dessous, etc. Au début, j'ai essayé aussi à un moment de le tirer par l'avant du bulbe pour le faire échapper. Mais ça ne pouvait pas échapper non plus. Donc, il n'y avait aucune solution que de couper. Mais bon, là, il y a du boulot là, pour la journée, là, à remettre tout ça d'équerre. Mais l'important, c'est qu'on est toujours là, on est toujours en course, et putain, ça fait du bien. Et qu'est-ce que ça fait du bien? C'est pour ça qu'il y a des moments dans le Vendée Globe qui sont vraiment extraordinaires. Et ces moments-là, en ce moment-là, ils en font partie, vous ne pouvez pas savoir. Vous passez par des... Comme je dis toujours, on passe par du noir, par du blanc, et par toutes les couleurs, et voilà. Et là, c'est un moment où... Et ça, je voulais vous faire partager parce que c'est... Là, écoutez, je lâche parce que c'est vraiment, vraiment un moment... Je suis vraiment content d'être là. Voilà, allez. Allez, à plus tard. Et puis, voilà, une belle aventure de plus. Ciao. Donc nous voilà juste après l'intervention. Alors là, je vous raconte pas, je filme le bordel parce que c'est quand même assez exceptionnel. Donc nous avons la TPS, nous avons le Fat Boy qui était pour faire en flottante, le bol, le seau, les vêtements trempés, la caisse à outils, la bouilloire, le deuxième seau en carbone, la bouteille de plongée, le harnais, le ciré, et voilà l'état des lieux. Et ben, allez voir, et notre calamar, notre fameux calamar qui est là. Et voilà, maintenant je vais vous montrer à l'extérieur quand même. Donc voilà, reparti comme en 40. Allez, purée, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien? Je vais vous faire un petit... Et voilà, bazar global, on va dire. Le bordel.
global. Alors, vous voyez que j'ai un peu de boulot là. Un petit peu de boulot. Donc voilà. Et après, bon, mais on est reparti, c'est le principal. Allez, et puis. Et bienvenue sur Team Plastic ce 2 décembre 2012. Et la nuit, j'ai passé quelque chose de sympa. C'était le tropique du Capricorne, qui est d'ailleurs c'est mon signe. Et donc par 23 degrés et 27 minutes sud, tropique du Capricorne passé dans la nuit. Et voilà les conditions en extérieur, en externe, sur l'autre caméra. Le bateau avance au bon plein, donc entre le pré et le vent de travers, et avec une houle formée et d'environ 2 mètres parfois, et du vent entre 15 et 20 nœuds. Et je suis avec Tranquette et Grand Voile Henry. Et tout va bien à bord, et je viens de prendre mon petit déjeuner, et à nouveau avec du pain grillé et de la confiture, et un café au lait. Donc voilà, un peu la routine de la journée. Mais l'océan, bon, c'est toujours beau, c'est fantastique, et cette nuit j'ai pu apprécier aussi une belle vision de la Croix du Sud, et ça fait plaisir, ça change du ciel dans l'hémisphère nord. Voilà, dernière vue du bateau de l'extérieur. Et souvent je dois aller manœuvrer, et parce que le vent quand même reste toujours variable en force et en direction. Et ça comporte, ça nécessite une intervention de mon côté, et surtout sur les voiles, il faut border ou relâcher un peu les écoutes. Voilà. Et au revoir et à la prochaine, et bonne journée à vous. Ciao, ciao, ciao.